Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vainquis le monde. Que vous êtes bénis. Sujet que la guerre pour matin, chrétien ou bien pour souffrir. La paix vous dit avec nous. Amen. Chrétien ou bien pour souffrir. Si chrétien ou bien pour souffrir, la Bible dit clair. Et si yon moun pas d'accord souffrir, c'est que vous n'êtes pas capable de faire bon Dieu plaisir. La Bible dit avec nous. Ah, Deux fois, souffrance, nous connaissons très bien. Souffrance, pas sauté dans mon Dieu. Déception, pas sauté dans mon Dieu. Souffrance, pas sauté dans mon Dieu. Ça veut dire tout ça que l'homme aventuré sur la terre, ou du moins chrétien, tout ça chrétien et aventuré sur la terre, ça n'est pas sauté dans mon Dieu. Tout simplement, c'est volonté pour Dieu vous souffre. C'est volonté pour Dieu vous souffre. Parce que nous connaissons après le péché, souffrance en vini, être chargé au vini, douleur au vini, tracas au vini. Donc c'est parce que la bonne Dieu, chrétien, nous avons souffert. C'est ça la Bible a révélé à nous. Si nous ne sommes pas d'accord souffrir en tant que chrétien, et Mathieu, il y a un chrétien qui vous souffre, il n'a pas besoin de faire mal avec mal. Il n'a pas besoin de fouiller pour chicoter dans vos fouilles. Tout simplement, la Bible dit chrétien qui vous souffre. Et ça, Mathieu, Mathieu, si vous souffrez, c'est pour toujours battre. Ça va souffrir, hein? Pour c'est pas vous-même qui la cause. Parce que la souffrance de la croix est venue, c'est un bagage que nous avons fait, c'est un bagage qui est diabolique,
Son côté elle t'a foué, mais il va te fouer. Son côté elle t'a regardé, il va te regarder là. C'est un côté bien te mener, qu'elle va te mener, qui cause la souffrance. Ça, si c'est dans ce sens-là, ou à souffrir, bien, mon Dieu va répondre. Mon Dieu va répondre. Là-bas, vous avez un l'église. Le ciel va répondre. Mais si vous souffrez, c'est parce qu'on est chrétien. C'est parce qu'on va faire tout le bagaille. C'est parce que vous êtes d'accord, marcher c'est le volonté de mon Dieu. C'est parce que vous êtes d'accord pour être fidèle avec mon Dieu. Quand vous souffrez, nous avons dit, où sont vos qui héros? Là, vous avez dit, où sont vos qui héros? Parce que l'Esprit mon Dieu repose sur vous. Vous sont vous qui bénit. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas besoin de faire ou épreuve, souffrance, car tout met sous nous. Nous n'avons pas besoin de considérer comme un bagage extraordinaire. Parce que si bon Dieu a permis que nous participer dans la même souffrance que Christ a lui-même, il a enduré, c'est parce que nous bénéficions de Dieu. C'est parce que l'Esprit mon Dieu est posé sous nous. C'est parce que nous vivons sous nous. Sous nous. La même mon Dieu est là. Et pour être venu, des fois, souffrance est venu. C'est mon Dieu qui fait ça. Et des fois, c'est dans la souffrance, hein? C'est dans la douleur là, c'est dans le tracas là. Gloire à mon Dieu pour la même. La même mon Dieu avec nous. Amen. C'est avec tout l'eau là, mon Dieu va servir pour le faire, ouais. Pour le faire reconnaître ça, vous avez pensé, hein? C'est pas ça. Espoir toujours. Ton Dieu qu'a fait, hein? Encore. Il y a des fois, il y a des fois, on tombe. On va connaître comment faire lui là. C'est galo, galo, là. Il y a des fois, on crie, on relève, pas de personne. Et c'est le théorie qu'on regarde comme ça, et vous regardez en voltige. Parce que mon Dieu, non. Mon Dieu dit, ou pas, ou pas, ou pas. Pensez-nous pas, pensez pas. Si chrétien vient pour nous souffrir sur la terre, nous-mêmes, en tant que chrétiens qui avons servi mon Dieu, nous ne pouvons pas servir mon Dieu dans votre temps. C'est pour nous d'accord tout. Les prophétiens ont venu, les vrais ont soufflé. C'est pour nous être doucement tranquille. C'est pour nous accepter. Qui n'est pas réellement accepté? C'est parce qu'on est chrétien pour accepter. C'est parce qu'on est chrétien. C'est parce qu'on voulait obéir par mon Dieu. On voulait obéir par mon Dieu. Qui va accepter? Qui va garder le accepter? Nous préparons-nous pour le souffle. Nous préparons-nous pour le souffle. Pas pour souffrir. La vie du chrétien vient pour souffrir. C'est pas pour souffrir. Mais c'est pour toujours battre. Les voix souffrir, pour séparer les bagailles que vous faites mal. Volonté mon Dieu, c'est pas un bagaille que nous avons compris. Nous nous disons de bagaille souffrance, pas vieux de Dieu, mais pour Dieu voulait ça. Pour Dieu voulait au jour, il voulait souffrir. Parce que dans la souffrance, non, mon Dieu, problème dans la souffrance. Bon Dieu, formez-vous dans la souffrance. Et des fois, il y a des espaces qui sont traversés. Il y a des douleurs, il y a des tracas, il y a des potes qui tombent ou même. Pour ceux qui sont tombés là, pour le carré tiro, pour qu'on ne connaisse pas pour tout. Pour nous qui connaissons que nous ne parlons rien, pour qu'on connaisse que nous, bon Dieu, il y a espoir. Nous connaissons que bon Dieu a fait tout pareil. Je ne connais qui douleur, qui souffrance, qui s'aventure dans la vie. Qui des souffrances, ou aventurer, qui des douleurs qui viennent, c'est pour gloire à mon Dieu. Et je vais vous montrer ça. Là, nous lisons Jean 11, chapitre 11,
Nous ne pouvons pas faire pour mettre ma gueule. Chaque fois qu'on est, on va venir dans la vie pour nous mettre. C'est qui on nous mettait là ça, qui était que Yosef de l'Esmat et Marie. Alors nous connaissons plusieurs Marie à travers la Bible, mais Marie qui n'a pas là, c'est Marie Saint-Lazare. C'est Marie qui a fait vidéo de la soupe Jésus et son chevel. Il a suivi Jésus avec chevel dans la fille. C'est Marie qui n'a pas là. Lazare, ça c'était pour son ami Jésus. Il y a un beau jour comme ça, Lazare tombait malade. Et c'est Lazare qui a dit, mais j'en ai eu un mal à lui. Jésus-Christ dit, et maladie ça a pas tué Lazare. Il dit maladie a pas tué Lazare. Lazare est malade, pour qui ça? Pour la gloire de Dieu. Tant bien oui. Pour la gloire de Dieu. Et ça qui vient d'être là, Lazare lui est mouru pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La mort. Pour la gloire de Dieu. Parce que c'est avec la mort, c'est avec la maladie là, la gloire de Dieu va éclater dans le temps païen, dans le temps monde qui va contre mon Dieu, dans le temps monde qui va croyant, dans le temps monde qui va chrétien. C'est à vous de faire route, c'est à vous de faire route, c'est au service de mon Dieu, c'est au front de mon Dieu, c'est à vous de faire route. C'est à vous de faire route. Là, ça arrive, oui. Et tout le monde connaît l'histoire bien, après 4 jours, Jésus t'a fait Lazare lever vivant. Et tout le monde t'a vu le temps de là, après 4 jours. Après 4 jours là-bas. Lazare, il lui fait malade pour la gloire de Dieu, il lui fait mourir pour la gloire de Dieu. Et puis nous ne pouvons pas souffrir nous-mêmes. Bon, si nous n'avons pas souffrir, qui compte être vous devant les gâtés là? Si on va faire Israël tous les esclaves dans le pays d'Égypte, quand on t'a maltraité, on t'a fait passer misère, qui compte être vous avez manifesté là? Qui compte? Vous ne connaissez pas que 10 ans, vous finissez marié, vous ne pouvez pas faire petite, l'éternel va être petite là. Pour le monde, ça a crié que bon. Là, vous avez une église. On a 10 ans, oui, après le mariage là, ou pas à enfanter, ou pas à habiter, ou à souffrir. Il y a parlé, il y a dit toute parole. Et pourtant, gloire à mon Dieu pour la manifester. Faut qu'on souffre. Et faut qu'on d'accord nous souffrir. Faut nous accepter souffrance comme Dieu veut nous. Lève-nous lire dans Luc 19, verset Luc 16, verset 19 à continuer. Nous partons dans l'île ou maintenant l'île? La Bible explique, il y a l'autre Lazare. Nous devons Lazare, frère de Marie, dans Jean 11, non, bon, l'autre Lazare encore, c'est dans Luc 16, verset 19 à continuer. Ça, c'est une parabole. Et qui confirme, qui a un message, qui a vécu là-dedans. La Bible explique, c'est un homme riche qui était tout bagaille. La réjouit, qu'elle contente, lui n'a manqué rien, lui est tout bagaille. Mais Lazare lui-même, il était dans toute misère, fracali, souffrance, douleur, pas de rien. Et tellement Lazare, c'est dans ma cité, il n'y a pas de temps. C'est arrivé dans un degré, mais manger, il n'y a pas qu'à manger. Et ça qui dit mal, la Bible dit, la femme est malade, il dit qu'il y a un gros plaid sous tout col. Et c'est un chien qui t'a fait nicher, plaid, tellement. La femme est dans la misère, c'est dans la souffrance, nous sommes déplorables. Et tandis que, la Bible dit, non, je suis la vie, oui. L'aller qui côté dans le séjour de mort, dans la douleur, dans la tracade, dans le manger d'eau. Et Lazare même lui mourir, il dit protège si elle la descend. Et porter Lazare à déposer dans Saint-Abraham.
La tasse, c'est image pour chrétien qui va faire pépé. Liberté dans douleur, liberté dans la calme, liberté dans la souffrance, la pauvre misère. Et là, il va mourir. C'est pas tout le temps que Dieu fait, non? C'est pas tout le temps que mon Dieu fait, non? C'est pas tout le temps que Dieu fait, ouais. Dieu n'est pas mon Dieu, mais c'est mon Dieu qui possède l'argent, c'est lui qui est l'or. Mais si c'est volontaire, les gens qui t'ont joué là, jusqu'à ce qu'il relève, jusqu'à ce qu'il prenne celle-là. Imagine qu'ils t'ont comme ça. Qui t'ont parlé, on parlé, on parlé, on parlé. Mais qui t'ont comme ça. Là, ça vous, on vient pauvre. Mais non, oui. Femme à Chenio, on vient pauvre, malheureux. Quand je vous défends, je vous porte la salle à déposer dans Saint Abraham. Et pendant que vous êtes là, les donnez ces mouvements, les souffrances, les douleurs, les points de vue de loin, les voies hasard, à marcher au personnage. Quel content, la frère bonheur, bien habillé, la marcher, parce que douleur est finie, la caille est finie, souffrance est finie, par les maillots, maladies, tout est fini pour lui. Les voies hasard, tellement bonheur. Il te voit la vie. Les voies sur mon côté. Mais Abraham, il voit la vie. La même chose, oui. Il te dit, Père Abraham, s'il vous plaît. Voyez la salle trempée, droite, il y a un petit bout de l'eau. Il met sous les moins. Parce que côté, il y a un souffle à pile. Père Abraham, il te dit, regardez. Bon séparation entre nous-mêmes avec la salle. Il y a un sac à traverser de l'autre. Il dit, Père Abraham, s'il vous plaît. Voyez la salle. Asi frémio, côté n'y a pas bon, parce que c'est 7 fois tout est là. Asi on répond, asi on répond, répondi, cherchez mon Dieu, pour y'a pas vivre dans tout le ça, dans le traque ça, dans le souffle ça. Père Abraham dit, regardez, moi j'ai un pire prophète sur la terre, moi j'ai un pire évangéliste, moi j'ai un pire prédicateur sur la terre. Moi j'ai un pire monde qui a prêché l'évangile là, qui a marché dans les bonnes nouvelles là, tout partout. Si vous n'avez pas de monde qui vivent en parler, c'est la mort que vous attendez. Songez, vous avez joué tout bien pour vous sur la terre. Mais les mêmes dans toute la camisole, les gens jouent, hein? C'est ici que vous avez joué une consolation. C'est ça, c'est chrétien. Faut qu'il y ait courage, faut qu'il y ait patience. Leur souffrir, parce que souffrir sur eux, ils n'ont pas duré longtemps. Et ce n'est pas seulement la mort au chrétien qui va les tirer sous force. Si mon Dieu n'est pas aucun content, il n'a pas aucun content dans le vivre la vie. Parce que regardez comment M. Daniel t'a joué là, qui est au content, et on va pas mourir. Mais pour Dieu commencer, amen. Pour Dieu commencer, faire un chemin. Pour Dieu commencer à mettre la joie dans le caillot, il commence à faire aucun content. Ça veut dire, pour Dieu commencer à faire un avant tout, jusqu'à ce que. Nous arrivons, parce que bon, qu'est-ce qu'on a, capteur tout chrétien. Nous pouvons compter là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'on a, capteur nous. Nous avons toujours nos bagailles. Pour nous, capables de finir. En aller. Dans Jean 16, verset 20. Pour nous. Jean 16, verset 20. Jean 16, verset 20. Et on apprend 20, 21. La pointe de Dieu. Ok, la Bible. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous plaidez, ça prie, vous vous lamentez, et le monde se réjouit, se réjouit. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Tristesse, vous. Le monde a réjoui, le monde a bombaché. Le monde, il y a gardé le monde qui est content, il y a réjoui, ça fait réjoui comme ça. Clémence, ça fait réjoui comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas malade. Vous êtes gras, vous avez l'argent, vous avez connaissance, vous avez tout bas, vous n'êtes pas manqué un. Mais la Bible dit, au même, tristesse, vous allez changer votre joie. Et nos versets 21 et 22, ça veut dire au monde qui est là, les arrive pour la coucher, sous-prêter d'une fille, direct. Là, comme vous avez dit, les arrive
pour la coucher, sous son pas même dit pitié. Mais quand il dit la fête, qui s'appelle l'oublier tout sous, il dit c'est même pour nous-mêmes qui chrétiens. Car ce que je ne vous dis pas, l'indicadé, guéant les cas privés, les tristesses sous le bassin de joie, le bon Dieu va voler avec eux, il va passer avec eux, l'indicadé juste ça, ou prendre dans la joie. L'indicadé, ça va pas poser une question encore. Je ne vous dis pas que vous ne posez une question. Seigneur, est-ce que c'est moi? Pour qui ça c'est moi? Pour qui ça c'est moi souvenir comme ça? N'a pas posé question. Eh bien, là, je ça va arriver. Ne pas poser vos questions. Passez maintenant la joie. Amen. Maintenant la paix. Regardez. Maintenant qu'à content. Ne pas manquer rien. Ne pas souffrir encore. Je ne vais pas parler de mal encore. Je ne vais pas bénir nous encore. Sans mes moins. Mais, pour ça arriver, fait, on est d'accord. Pour nous souffrir. Parce que, depuis que vous êtes chrétien, on ne va pas souffrir sur la terre. Faut qu'on souffre et c'est accepter souffrance comme Dieu de nous parce que c'est ça mon Dieu vrai pour vous. Parce que c'est ça mon Dieu vrai pour vous-même. Pour Dieu vrai au souffrir. C'est pour nous d'accord pour nous souffrir. C'est le bagaille. Restez la caille dans Dieu. Pas quitter rien dans mon plan. Faire au père du place. Si gloire nous couler dans Dieu, on met quitter couler parce que Dieu a séché. Que bon Dieu. Vous êtes venus. Amen. J'entendais parole que mon Dieu voyait vous. Puisque nous sommes Père bon Dieu, bon Dieu que nous tous qui est là. Qui fait nous passer en 2014 en grève, qui va soin de nous. Et qui est mon sécurité. Mais mon conseil va voter pour nous, s'il vous plaît. Pour nous voir, pour la dernière laisser la situation pour terminer. Encouragez-vous. Puisque mon Dieu, pas manger quoi personne, et qu'on a tout qui là. Même si mon Dieu te prend soin d'Israël dans le désert, tu peux manger pour ne pas gagner rien. Mais pour même tu vas courager, on va le faire crédit pour janvier. Pas chercher mon crédit. Avant 3 janvier, tu vas échanger. Nous ne pas commencer à prendre de l'argent. Mais puisque mon Dieu connaît, il connaît où je fais de manger. Il t'a mis au rien avant. Je te dis qu'à qui j'ai Dieu habillé les amis. Et nous-mêmes, Dieu qui a habillé nous tous. Mais nous parlons de mes frères. Nous avons quand même versé ma parole, parce que cette année avec lui, c'est dans Deutéronome 28, verset 13. Pour que nous versions à vous-même, pendant 2015 ans, ma prière versée à vous, Deutéronome 28, verset 13. Qui ça a dit? Dieu ne fait pas la tête, la tête, et non la quête. Il sera toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Je dis si tu obéis à la parole, moi, ou pas je qui en tête, mais pas je en bas, en toujours en haut. Amen, gloire à toi, c'est tout. Si tu obéis à la parole, l'Éternel, ou pas je c'était pas bien. Alors, les gens ont pris pour la caillou. On a dit pour garder, on a dit pour serrer, on a dit pour couvrir. Tout le temps passé. Et si vous êtes en classe, pas toi, on va aller en bien dans 2015 ans. Et si même si la mort a passé pour nous, je suis pas là, c'est ça. Nous parlons en haut. Nous parlons en haut parce que nous sommes fiers, pas tant de nous. Mais je suis Christ dans la gloire, dans l'adoré, dans l'orénome, dans glorifié dans lui. C'est pour ça que nous avons fait là, nous avons approché de notre vie.